Moi, des fois, j'ai mal, je vole. Oui, mais si tu, je vole. Le problème, c'est que si tu rêves, ben, tu vas retomber. Et quand tu vas retomber, ça va te faire mal. Parce que quand tu vas réveiller, tu vas tomber, boum, sur le sol. Parce que c'est la loi d'attraction, tu vois. Ah oui. T'as beaucoup comme ça, il fait que je vole. Voilà. Mais moi, je vole pas. Justement, vous savez, tous nos rêves sont la suite. Quand vous rêvez le soir, quand vous rentrez dans le lit, vous avez pensé toute la journée à des choses que vous aimeriez. Surtout le tout. Voilà. Et puis le soir, vous dormez, eh ben, qu'est-ce que vous rêvez? Vous rêvez à ce que vous étiez en train de penser. Donc, la nuit, la pensée continue. La nuit, c'est fait pas dormir. Oui, mais elle continue à penser, elle continue, nos esprits continuent à être occupés. Que ce qu'on a fait dans la journée. Exactement, elle continue à être occupée. Et c'est là où, dans ces rêves-là, dans ces moments-là, on peut voir des choses qu'on ne veut pas voir. Vous savez, toutes nos peurs qui sont là, les cauchemars qu'on a, ça, on ne peut pas le faire dans la journée, ça. Hein? Mais bon, pas la journée. Oui, dans la journée, on les met sous le tapis. Mais le soir, il se révèle à soi. Il se révèle. Et quand il se révèle à toi, eh ben, tu dis, j'ai fait une mauvaise expérience, j'ai fait un cauchemar. Hein? Mais tu vois ce cauchemar-là, en fait, si tu regardes bien, il va te révéler les profondes peurs que tu as emmagasinées dans ton inconscience. Parce qu'elles se révèlent là. Et elles te les montrent en truc de rêve. Tu vois? Mais en fait, ça peut t'apprendre que si tu regardes la chose, quand tu rêves, quand tu te réveilles avec une sueur froide, tu as vu un bébé sous le lit. Tu connais ? Tu te réveilles avec une sueur froide. Tu dis, c'est quoi ce que ça fait là, toi ? Hein ? Et le problème, c'est que on ne va pas le voir. Ce qu'on fait, on va mettre le couverture sur la tête en espérant que la chose va partir. Mais elle ne part pas. Tu fais ce que tu veux, elle ne part pas, elle reste dans ta tête, elle reste coincée là. Hein? Mais il y a même quelqu'un d'autre qui peut venir te dire, il n'y a rien. Oui, 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 oui. Il y a une corde dessous, c'est pas un serpent, hein. C'est une corde, attends. Mais toi, tu es tellement en réalité, mais parce que tout ton être, tu vois, il vit l'expérience comme si c'était vrai. Et tu vois, nos peurs, c'est pareil. Il y a quelque chose qui n'existe pas, mais on a peur. Donc on se fait des idées qui n'existent pas. Et puis on les cultive. Et puis ça devient en nous des réactions impossibles, des réactions qui émergent de nous comme ça tout d'un coup. Et puis on a peur. On a peur de quelqu'un. On voit quelqu'un qui ressemble à un voyou, mais on a peur. Et pourtant c'est un gars, il vient de tomber, le pantalon l'a déchiré, tu ne connais même pas. Tu vois? Et c'est ça nos peurs. On a cultivé nos peurs et avec ces peurs, on est arrivé à ne plus avoir de contact entre nous. Et moi je dis, allons voir s'il est possible de sortir du petit monde que tu t'es construit. C'est-à-dire ma coquille avec moi dedans, ma croyance, ma nationalité, mon père, ma mère, tout ce que j'aime, tout ça. Et je suis là-dedans. Et là-dedans, je me sens bien. Je me réconforte là-dedans. Mais quand tu te réconfortes dans cette sécurité-là, si tu réfléchis bien, est-ce que c'est ça la sécurité? Pourtant, on croit que c'est la sécurité. On se dit, je serai en sécurité avec ma maman, avec ma famille, mon pays, mon argent, ma voiture. Ah, ça marche toujours. Oui, tout ça, c'est la sécurité qu'on a construit. Hein? On a construit cette sécurité-là. Il y a quelque chose avec chacune de ces choses, c'est que il y a un moment ou un autre. Mais l'argent devient rare maintenant. L'argent devient rare. Ouais. Il y a une chose avec chacune de ces choses, c'est l'argent, les parents, la famille, les titres. Il y a des choses qui se passent avec tout ça. C'est que toujours à un moment donné, on est déçu. Toujours à un moment donné, si on s'y est attaché, par exemple à cet argent, le jour où on le perd, il y a déception, il y a insatisfaction, il y a désespoir. Si j'aime beaucoup ma mère et que ma mère meurt demain à un cancer, je suis triste, je suis déçu, je suis désemparé, je suis désespéré.
Mais qui est-ce qui est dans l'esclavage? C'est moi. Donc ce moi est toujours en souffrance. Donc finalement, quand on est prisonnier de cette chose, c'est toute une affaire. Hein. C'est pas aussi simple que d'y réfléchir ou de vouloir y revenir demain en disant ah oui, demain je vais faire ça et du coup ça va aller mieux dans ma vie. Oui, non, mais c'est ça. Va être la même pensée que de vouloir me leurrer. Oui, mais c'est pour ça que justement d'être là ensemble, tous là, et d'en parler, peut-être que ça peut réveiller en chacun de nous une réalité qu'on voit un peu mieux comment on fonctionne. Et c'est de comprendre ce fonctionnement, justement, de comprendre toute le mécanisme de cette pensée qui se meut en soi. Vous savez, parce que la pensée, elle est vivante, et parce que la pensée, c'est de la connaissance en mouvement. C'est-à-dire, tout ce que j'ai été, tout ça, ça me parle tout le temps, ça revient, ça repart, et c'est tout ça tout le temps en mouvement. Et la tête n'est jamais en paix. Donc, allez-vous, comment peut exister ce silence? Comment ce silence peut venir? Parce que toutes ces pensées sont toujours, elles reviennent tout le temps. Comment avoir ce silence-là? Parce que vous savez, réfléchissez comment vos pensées sont tout le temps en train de vous leurrer. On est tout le temps en train de penser. On est tout le temps occupé. On rentre chez soi, on se sent seul, on allume la radio. On veut être occupé, on veut tout le temps être occupé. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je vais chercher une copine parce que là je me sens seul. Là, tu vois? Et donc, on est tout le temps. Voilà. On est constamment en train de chercher dans cet espace de soi quelque chose qui va remplir. Parce qu'on dirait que ce soi-là, il a une nature qu'on n'aime pas, qu'on ne comprend pas. Ce soi, c'est un vide. Et face à ça, eh ben, tu veux toujours le remplir. Tu veux toujours faire en sorte que il y a quelque chose qui m'aide. Parce que tu vois, notre vie, elle est faite de moments, d'habitude, de train-train. Et tous ces train-train deviennent monotones et apparaît l'ennui. Cet ennui, on l'aborde. On ne veut pas l'avoir. On ne veut pas le voir, on ne veut même pas le connaître. On veut qu'il disparaisse de nos vies. On va toujours faire des actions pour que cet ennui ne vienne pas submerger nos esprits. Parce que quand nos esprits sont submergés de ce vide immense, on n'est plus rien. Donc, est-ce qu'on pourrait accepter, regarder, accueillir cet ennui? Et voir qu'est-ce qui se passe? Chose que la plupart d'entre nous n'a jamais fait. On a toujours voulu enrayer ces moments où nos esprits sont calmes. Parce que c'est dans cet ennui, dans ce rien, dans cet état où on n'est rien, que tout se passe. Alors on est nous-mêmes. Exactement. Alors quand on n'est rien, justement, on se retrouve. On se retrouve parce que ce silence, ce vide-là, c'est la nature d'un esprit en paix. C'est sa nature. Et cet esprit en paix a une perception. Et la perception qu'elle a ne vient pas de la pensée, ne vient pas de la mémoire. Et cette perception-là, elle n'a pas de limite. Parce que la pensée, avec sa mémoire, elle a un centre d'intérêt. Et elle est limitée à la connaissance qu'on a. C'est-à-dire, tout est connu, tout est arrangé, tout est bien ficelé, on est en sécurité. Mais au-delà de tout ça, on ne connaît pas. Ça s'appelle l'inconnu. Mais pour aller là, il faut que tu te libères de tout ce que tu aimes, tout ce que tu as connu, toutes les choses que tu penses qui sont importantes pour toi, ta croyance.
les images que les images que tu t'es fait. Mmh. Hein, tout ça. Sentir. Vous voyez l'ampleur, hein? Mais cette ampleur, c'est pas un problème. C'est ce qu'on en fait qui va devenir ou difficile ou quelque chose, un miracle. Parce qu'il faut que ce soit un miracle. Parce qu'il est impossible à un homme normal de tout de suite de regarder les choses dans le sens inverse des aiguilles du monde, dans les sens inverses de ce que l'humanité t'a toute ta vie enseigné. On t'a martelé ça dans le crâne avec un petit marteau là. Maman, fais comme ça. Tu dois être une femme, toi. Et tu dois mettre du rouge à lèvres. Et c'est, on est martelé. Excusez-moi si vous aimez le rouge à lèvres. C'est que des exemples. On va vous forcer à faire des choses que vous voulez faire. Non, mais ça. Il y a quelque chose qui s'est passé, toi, à rouge à lèvres qui traîne par hasard. Allez, c'est vrai, on peut rouge à lèvres. C'est ça, on ne peut pas s'oublier. Il y a quelque chose qui se passe quand on observe ça. On observe, je sais pas, chacun dans nos vies, qu'il y a des choses qu'on faisait avant et qu'on ne fait plus maintenant. Et pour lesquels il n'y a eu aucun effort pour ce changement. Il y a des choses qu'on a laissées tout naturellement. Et tout naturellement, au terme de notre vie, on laissera tout. D'accord ou pas d'accord? Tu veux dire la mort? La mort? On laisse une bonne chose. Donc, mais c'est, avant, pas, c'est pas une maladie en tout cas. Une maladie. Ça arrivera. On n'en souffre pas, d'accord. Celui qui reste est peut-être triste parce que c'était attaché à la personne qui est partie, etc. Mais ça croit soit tu, son argent. Voilà, mais voilà. Après, c'est la même histoire toujours. Mais tu sais, quand tu te détaches de tout, t'es obligé de toute façon à un moment donné. Mais avant ça, tu sais, là maintenant, est-ce qu'on peut se détacher de tout comme si c'était. Tu veux dire avant de mettre le pied dans la tombe? Exactement, c'est-à-dire là, maintenant. On est là, pas demain, hein, pas après-demain, ouais. Pas un jour avant que je meure. Mais parce que le temps est notre ennemi. On dira toujours demain, je le ferai demain. C'est pas bon ce qu'il a dit quand même, mais. Je vais prendre des notes, les relire au cas où. Ça marche pas malheureusement comme ça. Donc, oui, comment on fait? Oui. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible, là maintenant, de mourir de tout ça? Avant de mourir, voilà, physiquement, et de vivre libre. Oui, alors ça veut dire que si vous sortez d'ici, et vous êtes tellement joyeux, et vous êtes transformé par ce que vous avez compris, hein, pas parce que j'ai dit, mais parce que toi tu as compris, parce que c'est quelque chose, c'est une compréhension, vous savez, la vérité, c'est que la vérité ne peut pas être donnée à qui que ce soit. Il n'y a personne qui peut vous donner la vie. Il n'y a personne qui peut vous dire comment vous serez heureuse. Il n'y a que soi. Quand tu as goûté toi-même, ben tu sais. Il n'y a personne pour te donner ça. Il n'y a pas de gourou. Il n'y a pas de Dieu qui viendra nous sauver. Hein? Donc, de le faire maintenant. D'être réalisé que ce que nous sommes, en fait, c'est rien. Et si tu réalises que tu es rien, tu n'auras plus de tracasserie pour devenir ce que tu aimerais. Tu vois? Parce que quand tu deviens quelqu'un, eh bien, il y a toute une tracasserie pour faire exister l'image que tu aimerais projeter en l'autre. Et cette image, elle est fausse. Elle conduit à la division entre chacun d'entre nous. Et vous comprenez bien que notre société, elle est faite que de divisions comme ça. Parce que chacun regarde midi à sa porte. Chacun veut projeter le meilleur de lui. Et ça devient une bataille d'idées. Parce qu'on va dire mon idée est meilleure que la tienne. Moi je suis chrétien, toi tu es musulman, l'autre elle est malba et l'autre il est africain. Donc on va se battre. Il y a le riche, il y a le pauvre, il y a le jeune, il y a le vieux. Il y a comme d'un mot avant tout ça. Hein? Tout ça, c'est l'acceptation.
C'est quoi l'acceptation? Mais tant que les êtres humains n'accepteront pas la différence, n'accepteront pas qui je suis, n'accepteront pas cette réalité que le cerveau est analogique, que ça est égal à ça, quand on va cesser de fractionner et peut-être de diviser, peut-être aussi dans l'addition et la multiplication des valeurs, des compétences, des capacités, pour reprendre le mot de madame qui disait mais est-ce que je suis capable, et etc. Quand on va être uni vers ce tout, plutôt que d'être uni vers ce soi qui n'est peut-être rien. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce que cette société, qui observe tout ce que tu viens de dire? Qui observe? Ben c'est moi, déjà, voilà. Avant toute chose. Avant attends, toute chose, c'est moi, c'est mon âme, c'est celle qui la chose. Voilà, si cet observateur, l'instant où cet observateur a vu tout ça tel que tu viens de le voir, sans s'impliquer, sans juger, sans critiquer, sans dire il faut quand même qu'elle change. Oui, il est dans le non-jugement, je suis d'accord. À ce moment-là, à cet instant-là, parce que le non-jugement, c'est un concept. Alors, moi, j'avais compris. On en a parlé, on en a parlé dans la CNV, les outils, etc. Il fait partout, en fait. Partout, on parle non-jugement. Mais à un moment donné, tu vois, la seule chose qu'on va pouvoir observer, c'est à combien est-ce que je juge. Combien est-ce que je suis juge, en fait, face à tout ça. Et quand je vois ça, que je suis juge, et que c'est ça que j'arrive à accepter de voir, je l'accepte pas forcément, on a beaucoup parlé avec l'acceptation, c'est pas d'accepter que ça continue, que ça se passe, parce qu'on n'est pas des masos quand même, d'accord? Mais c'est accepter juste de voir, sans s'impliquer, sans rentrer dans l'histoire et vouloir changer l'histoire d'une quelconque manière que ce soit. Parce que si tu le vois, oui, c'est toi-même qui change. Ça me renvoie une image, c'est Néo dans Matrix 2, dans le Reload. Il attend dans le bus, le train passe, les gens rentrent et sortent, et lui il attend toujours son tour et ça se passe jamais. C'est l'image que j'ai là, vous me convoyez cette image-là. Ça se passe jamais, c'est-à-dire que ce qu'on veut, la manière dont on veut que la société change, la manière dont on veut que ma mère, mon père soit autrement, la manière dont je veux que mon patron ou mon employé il se comporte avec moi, ce que je veux n'arrive jamais. D'accord? Et c'est ce que je veux, c'est aussi l'activité de la pensée. Complètement! Qui s'appelle moi et qui dit que moi j'aimerais que ce soit comme ça. Donc est-ce qu'on peut abandonner cette activité-là sans demander rien à personne et juste être là, présent? Mais pourquoi aurions-nous quelque chose à demander à quelqu'un? Parce que justement, quand tu dis que quand tu juges, quand tu regardes les choses avec une envie que les choses soient autrement, eh bien, il y a une entité là, en soi, qui s'appelle moi, qui a déjà son jugement sur la chose. Il a déjà scindé la société, si tu veux, l'univers en plein fractionné, en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Et la façon dont tu regardes là, c'est une façon dispersée de l'esprit, de ton esprit, qui regarde les choses fragmentées. Et dans la fragmentation, il y a de la division, certainement. Mais si tu regardes les choses sans diviser, sans dire que lui là-bas il est gentil, lui là-bas il est gentil, ça devrait être comme ça, parce que j'ai compris comme ça, moi j'aimerais que tu sois gentil, que tu viennes me faire un câlin, tu vois. Parce que je voudrais que ça se passe comme ça, mais qui voudrait ça? C'est celui qui désire, c'est celui qui attend, c'est celui qui s'est acharné à être réconforté. Et tant qu'il y a cette entité-là, on sera en division, parce que l'autre en face de toi n'est pas nécessairement voulant d'accepter ton idée. Voilà. Tu vois? Et là, on observe tout ça, ce que tu viens de dire, avec cette observation, cette perception. Et là, il y a une... tu sais, celui qui observe, c'est moi. Là, le moi a changé. Donc tout a changé. Mais le moi n'existe pas. Le moi a... Il a changé, hein. Il y a une perception qui n'a pas le centre d'intérêt. Voilà, le moi a disparu. Voilà. Le moi n'est plus, on a vu que le moi n'est plus là. Si aujourd'hui nous prenons conscience d'une chose qui est que notre identité première, est-ce que ça ne changerait pas tout? Oui, mais cette identité première. Notre l'authenticité. L'authenticité. Parce que là, on est comme connecté au moi, à l'humain. Oui. Et si j'inverse les choses et que je me dis
mon identité, elle est spirituelle, est-ce que ça changerait pas? Oui, mais en fait, tu sais, cette identité que... Elle est prise. Oui, mais cette identité qu'on dit spirituelle, tu sais, toutes ces choses subtiles, etc., et on rentre dedans, ça reste quand même de l'ordre de la pensée. C'est-à-dire, quand on est en train d'en parler, on utilise les mots. Ces mots sont pensés, elles ont une origine. Et quand on veut construire avec ça, tu vois, on construit ce matériel-là avec des mots qui sont pensés spirituellement. Du coup, on s'habille spirituellement, au lieu d'avoir un crocodile, ben, tu sais, on met une toge blanche ou quelque chose de, qui y ressemble. Et on continue en fait dans la même sphère de confort autrement. Du coup, on fait la même chose autrement.